D'accord. Adressez-vous à cette population à travers un message. Merci, monsieur le journaliste, comme je l'ai dit, de m'avoir donné cette opportunité encore. Population des Érécorées, depuis le 12-13, je me suis adressé à vous pour demander de mettre en avant la paix, la quiétude, la sécurité dans notre ville, la ville qui est commune à nous tous. À Zérékoré, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a que le Guinéen tout court qui vit à Zérékoré. Donc, si nous sommes dans cette logique et dans cette posture, Guinéen de Zérékoré, je voudrais qu'on cultive la paix. Je voudrais qu'on s'entende entre nous pour que notre ville connaisse un essor de développement. On n'a rien à gagner en se mettant dans la rue. On n'a rien à gagner en se battant entre nous. Seulement, c'est des regrets. Comme voici l'acte présent, le regret. Nous venons de perdre un de nos frères. Est-ce qu'on pourra le compenser? Qu'il y ait oui, qu'il y ait non à la Constitution, que ça soit voté oui ou non. Est-ce qu'on va comme maintenant compenser son mort? On ne le pourra pas. Mais c'est pourquoi alors je vous appelle que tous les Guinéens qui sont à Zérékoré, chacun a une obédience. Qu'on soit partisan du oui, qu'on soit partisan du non, mettons la balle à terre. Calmons les situations, voyons l'avenir. Sauvegardons tout ce que nous avons comme bien dans notre cité Zérékoré. C'est dans ça seulement que nous avons intérêt. Le reste, on pourra le faire quand le moment va venir. Donc, c'est cet appel que je lance encore aux populations. Soyons vigilants. Parce que maintenant, il y a plusieurs vandales qui sont en ville. Ils passent par-ci, par-là, pour essayer d'aggraver la situation. Donc, j'en appelle à la vigilance de tout un chacun, pour que tous ceux qui ne veulent pas la paix à Zérékoré, qu'on puisse les extirper de notre société et les envoyer hors d'état de nuire. Il y a combien de personnes qui ont été arrêtées? Ah, là, c'est la police qui peut justifier, parce qu'on ne m'a pas déposé encore le nombre de personnes interpellées. OK. Donc là, c'est peut-être la police et les services de sécurité, gendarmerie et autres armées qui pourront vous dire il y a combien d'arrêtés. Moi, je n'ai pas cette situation maintenant. D'accord. Merci, monsieur. Merci.